J'ai trouvé la solution pour être super musclé. Y a pas de solution, on va juste jouer à un tycoon où on crée notre propre salle de sport. Je suis devenu accro au tycoon. Dites-moi si vous kiffez ce genre de vidéo ou vous voulez que je change de jeu. Parce que moi, si je peux vous faire une vidéo par jour, je vous la ferai. Ok, il est nul mon skin là. C'est quoi ce skin? Salut à tous, c'est la salle. Bonjour. Ne dis pas qu'il va m'éclater dès le début. Hein. Merci, 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 merci. Putain, il est sympa. Hein. Aïe, aïe. Fallait pas me faire confiance. Eh ouais. Non, je rigole. Pardon. Aïe. Hey, je suis un gamin, il m'a donné toutes ses armes pour que je le tue. Ok, du coup, il y a une gym pour les poissons, une gym pour les super-héros et une gym pour les toilettes. Skibidi toilettes, on choisit quoi nous? Ah mais on n'a pas le choix, parce qu'ils les ont déjà prises. Du coup on peut prendre que le héros gym. Thibaut InShape, fais attention, j'aurai la meilleure gym. Et je serai le mec le plus stock et le plus balèze de tous les youtubeurs français. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Quoi, y'a quoi? T'as jamais vu un mec avec beaucoup de poils ou quoi? Pourquoi tu t'arrêtes devant moi? Ah non, me tue même pas. Allez, on ouvre notre gym. On a 88$, 90. Faut attendre un petit peu, on pourra acheter du bois. Arrête, please, please, please. Mais c'est des gamins, je vais être pauvre. Ah non, je garde tout mon argent, ça va. Du coup, là, j'ai un petit comptable, un petit vendeur. Aïe. Ah non, hey, j'aurais pas dû le tuer, il va gâcher ma partie. Aïe. Please. Pardon. Attends, je vais essayer de faire une alliance. Excuse-moi, mais c'est le rouge là, faut qu'il arrête de me saouler. On peut payer des fondations. Ok, on s'en fout de ça. On peut prendre un truc de yoga. Non. Nous, on veut des gros biceps. Nous, on veut être musclé. On veut pas faire des trucs de vieux là, du yoga et tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout du yoga nous? Bah, il a pas tort. On va prendre une sécurité, voilà, pour que les haters et la concurrence ils viennent pas chez moi. Aïe. Please, non. Thank you, sorry. I'm sorry. Putain, faut leur parler en anglais, frère. Du coup, ce qu'on va acheter, on va acheter un tapis. Voilà, on va acheter des murs. C'est logique. C'est même pas des murs, ça, c'est quoi, ça? C'est des poteaux. On va prendre des fenêtres, ok. Qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre? Je crois qu'on n'a pas le choix. Dumble, c'est... Voilà, on achète des haltères. Qu'est-ce qu'on s'en fout, nous, du yoga? Nous, on est là pour prendre du muscle, nous. On n'est pas là pour faire des grands écarts. Allez, en vrai, j'ai changé d'avis, on va acheter des trucs de yoga. Parce que c'est qui fait du yoga? C'est les vieux retraités. Et les vieux retraités, c'est eux qui ont le plus d'argent. Du coup, pour augmenter le prix des salaires. Voilà, les gens qui veulent faire du yoga, venez, vous êtes les bienvenus dans ma salle de sport. On accueille tout le monde. Si vous voulez faire des gros biceps, vous pouvez à votre place. Si vous voulez faire des grands écarts, vous pouvez aussi. Ça, c'est du vrai marketing, ça. Je vais avoir la meilleure salle de sport. Regardez lui sa salle de sport. Et là, c'est lui, c'est la concurrence. Faut l'éliminer au plus vite. Hein. Moi, je suis un client entre sa salle et ma salle. J'aimerais bien aller chez lui. Hein. Du coup, l'objectif, c'est qu'on ait la meilleure salle possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien acheter maintenant? On va prendre un entraîneur. Voilà le coach. J'aime beaucoup. Hein. Voilà, donne des instructions. Mais je sais pas si ton pistolet il va réussir à motiver les gens. Hein. Faut juste que les clients ils vont être traumatisés. On peut acheter des bancs pour pouvoir travailler les pecs. Ça c'est bien. Un deuxième banc pour le développer couché. Pour avoir des pecs qui explosent. Ok, on va acheter quoi là? Un punching ball. Bah oui, ça sert à quoi d'être musclé si t'es nul à la bagarre? Du coup, faut apprendre à se battre. Logique. Vas-y, on va mettre une patate. Allez! C'est quoi cette petite patate qu'il a mis là? Mais c'est sûr que j'aurais zéro de score là. 320, mais c'était logique. L'objectif c'est qu'on fasse 999 sur cette machine. Faut qu'on devienne plus stock. On peut acheter des clients. Bah ouais. Normalement c'est les clients qui doivent nous donner de l'argent. Et là c'est nous on les paye pour qu'ils viennent. C'est le monde à l'envers. Hein. Est-ce que le monde il est à l'envers? Ou c'est moi qui est à l'envers? Toi je vais te mettre un coup de pression. Comment ça c'est nous qui payons les clients là? Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est exactement ça. Tu fais le mec, t'as même pas de billet dans les mains là. Vas-y, on va en prendre un deuxième. Ça se trouve il est plus intelligent. Y'a rien qui change. Hein. À part le fait qu'il a un bureau en briques. Aïe. Il est aussi débile que toi. Hein. Mais arrête, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, please. Non, j'ai pas de chute, je me cache derrière eux. Les managers, s'il vous plaît, aidez-moi les managers. Tu dégages. Allez, on dégage, on peut acheter des armes. Oh, une SCAR, un pompe, ça y est, l'autre il est mort. S'il veut revenir sur moi, il est mort. On va acheter un Iron Man. Ah, ok, en fait, c'est les trois petits cochons. En fait, le premier, il a un bureau en bois, le deuxième en pierre et le troisième en métal, c'est ça en fait. Mais les trois, vous êtes tous aussi débiles l'un que l'autre, hein. Vous faites tous la même chose. On va acheter un deuxième client, voilà une banane qui fait du vélo. Allez, ça fait plaisir. On achète un troisième client, parce que jamais 203. Ok, une meuf qui fait des squats et qui saute sur le côté. J'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Des squats en crabe. Elle fait des squats, elle saute sur le côté. J'espère que c'est pas toi qui leur dit de faire ces conneries, hein. Non. Allez, on va acheter d'autres armes. Grenade répulsif. Ok, je vais aller troll l'ennemi. Il est où? Il est là-haut. Pas qu'il nous voie venir. Hein. Allez, reste dans le coin. Non, pardon. Voilà, loser. Allez, on s'enfuit avant qu'il nous retue. On va acheter de l'agilité. On va prendre des muscles normalement. Là, on va devenir plus balèze. Ah, ça veut dire là, je suis en train de prendre beaucoup plus de force. Ok, maintenant là, si je me bats avec les ennemis, je vais leur faire plus mal. On peut acheter une statue.
Elle est où la statue? Elle est même pas encore là en fait. On va voir à quoi elle ressemble leur statue là. C'est un Skibidi toilette, voilà. Tout ça pour ça. Ah mais je viens de comprendre en fait. En fait si tu mets des patates et que tu fais un bon score, tu gagnes de l'argent. Mais c'est quoi ces patates sans vitamines là? Faut que mon skin il boit du jus là, c'est pas possible. 114, encore pire que la première fois. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens de plus en plus nul. J'ai gagné que 70$. Voilà. On va prendre des escaliers pour monter là-haut. Donc on a un étage en plus. Allez, qu'est-ce qu'on peut acheter là-haut? On peut acheter un tapis. Ça va, on va l'acheter direct. Mais tout coûte cher ici. Je suis là. Il est bête ou quoi? T'es bête ou quoi? Je suis là. Mais arrête! Mais arrête, je t'ai pas tué exprès! Mais non! Mais si, Lionel, mais si! Eh, je suis tombé sur le voisin le plus débile de l'univers. Allez, maintenant, on va voir ce qu'on peut améliorer en haut, de toute façon. On va, voilà. Là, on a un mec qui nous ramène plus 25. Ok! C'est encore des managers. Et en fait, plus les managers, ils ont des meilleurs bureaux, plus ils me font gagner de l'argent. C'est trop stylé! Du coup, on va prendre un autre manager qui va encore nous rajouter de l'argent. Un manager en or, avec une plante en or. Ensuite, on va acheter un truc de boxe. Parce que, comme vous savez, si vous êtes nul à la bagarre, ça sert à rien d'être musclé. On va acheter un deuxième truc de boxe, voilà. Pour avoir le troisième caissier, il nous faut du diamant. Du coup, pour avoir du diamant, faut trouver un exchange. C'est un truc qui nous change nos dollars en diamant. Ah ouais. C'est bon, on a échangé assez de pièces pour pouvoir payer le sixième manager, là. On va voir, il aura un... C'est quoi ce bureau de fou? J'espère que là, il va me rendre riche, celui-là. On va embaucher des boxeurs parce que... Voilà, voilà, mets des patates, voilà. Gauche, droite, allez. Un peu plus de force, s'il te plaît, parce que là, c'est pas ouf, les petites patates que tu mets. Franchement, tu peux mettre un peu plus d'énergie dans tes patates, s'il te plaît. Hein. Allez, 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 un peu plus d'énergie, un peu plus d'enthousiasme. Hein. Je t'ai pas payé pour rien. On peut acheter de l'eau, bah oui, sinon on va mourir de soif. Ah, je peux vendre mes bouteilles d'eau pour les gens que j'ai payé. Eh, mais c'est des génies en fait, les managers. On a payé des gens pour qu'ils viennent faire du sport. Ensuite, on leur vend des bouteilles d'eau super chères. This is Elon Musk. Est-ce qu'on peut choisir combien on va leur vendre? Qui veut une bouteille d'eau? Tu veux de l'eau? Tiens. $500 la bouteille d'eau! Énorme! C'est quoi cette arnaque? Ok. En fait, on les a payés $500 pour qu'ils viennent. Comme ça, à la fin, ils ont soif. Ils ont pas le choix. Ils sont obligés de payer nos bouteilles. Mais c'est quoi ces génies? J'ai acheté un tapis roulant. Vas-y, on va payer quelqu'un qui vient s'entraîner. Toi, t'as soif, toi? Non. Et non, il a pas encore soif. Ok. Vous voulez des bouteilles d'eau? Vous avez soif? Tiens, tiens, mademoiselle, tiens. Bois ta bouteille d'eau. $500. Incroyable. Oh, l'arnaque du siècle. On a amélioré nos trucs de patates. On va voir si on peut mettre des patates plus fortes maintenant. Wesh, avec une petite patate comme ça, là, j'ai réussi à faire 986. Incroyable. Non, mais me dites pas qu'il est revenu, lui. Regardez comment il tire ses balles de roquette. J'ai jamais vu un Bambi aussi Bambi que celui-là. Salut à toi, jeune entrepreneur. Regardez, il va jamais me toucher. Aïe. Ah, si. Oh là là, le karma que je me suis mangé. Aïe. Oh, le karma que je me suis mangé. On va aller se prendre des petites armes. Voilà, un petit lance-roquette comme ça, l'autre, on va l'éclater. Un snipe, pour pas qu'on se déplace, on va le tuer. À partir d'ici, on va le tuer. Ok, qu'est-ce que ça va améliorer, ça? La vitesse. Là, ça veut dire que je pourrais courir super vite, là. Je cours pareil. Je me suis fait arnaquer. Allez, on va se venger, là. Il est où, l'ennemi, là? Wouah, c'est quoi, ça? Tu dégages! C'est quoi cet endroit là qu'il a? Regardez comment je suis un génie. Regardez comment j'ai 2000 de QI. Il va me chercher, il va rentrer ici et je vais l'éclater. Oh! Vous avez vu le flashcope que je lui ai mis? Même Gotaga il a jamais mis ça de sa vie. Arrête de mentir! On va voir la statue qu'il veut nous donner. Elle est stylée hein. En vrai de vrai, mes statues elles sont vraiment stylées. Message de la France. Non. On va acheter là. Même Thibaut Inchep, il a pas une salle comme ça dans sa salle de sport. Incroyable. Du coup, en fait, on doit échanger nos pièces en diamants et les diamants, on les échange en rubis. Là, j'ai plein de rubis. Hein. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un tapis. On va prendre un caissier. Voilà, qui va nous faire gagner des rubis. On va prendre un deuxième caissier. Non, c'est quoi ça? Ah, c'est une balance pour le poids. Je pèse combien? 117 kilos. Mais je suis vraiment un gros porc, en fait. Franchement, c'est ça. C'est quoi ça? On achète une télé. Elle est stylée un peu la pièce. On va prendre ça, je sais pas c'est quoi aussi. Ok, c'est pour faire du sport avec des grosses boules. Un truc pour faire des squats. Un truc pour faire des dips et des tractions. Mais franchement, ma salle de sport elle est incroyable. Elle commence vraiment à être stylée hein. Je suis là. Ça va ou quoi mon pote? Commence même pas à me tirer dessus hein. Regardez comment on va mettre jouer des gens. Là je vais lui faire genre je suis son pote. J'ai envie de lui tirer dans la tête. Waouh. Est-ce que ça vous dirait une petite bouteille d'eau pour vous hydrater? Non. Hésitez surtout pas, hein. Vous en voulez pas, mais hésitez surtout pas. Si vous avez soif, on a des petites bouteilles au premier étage. À seulement $500 la bouteille, ok? Là, l'autre salle de sport, elle est incroyable. Regardez, en bas, on a les gros pigeons qui nous payent $500 la bouteille. Là, on a un boxeur, on a des tapis, on a tout. On va améliorer le punching ball. Et là, on va voir combien de points on aura. Allez, j'espère que j'ai 1000 points là. 1700, non, incroyable.
Pourquoi le public il rigole? C'est des fous, hein. Bon, bah, on dirait que j'ai la meilleure salle possible, hein. Même petit Bonne Shape, il a pas une salle comme ça, regardez. Tout le monde jette des billets, les managers ils sont contents. Tout le monde est content. Maintenant, le moment fatidique est arrivé. On va voir si je suis devenu musclé. On va voir si ça a marché. Non, on va voir l'autre. Ça va un peu, non? Non, je me suis fait arnaquer, frère. Moi, je voulais être plus musclé que Thibaut Inchef, frère. Vas-y, ça y est, on arrête de... Deux heures de tycoon pour avoir un vieux bras comme... Vas-y, moi, je coupe. Allez, ça y est, j'en ai marre. Moi, je vais aller à la salle de sport, là. Je vais aller au Basic Fit, on va voir si ça va mieux marcher.